Coupure du gaz russe et la panique en Union européenne révèlent que ses dirigeants ne sont pas au niveau. Dans toute guerre, il y a des dommages collatéraux. Ceux auxquels tout le monde pense sont les dommages matériels et les victimes civiles. Mais il y a aussi des dommages immatériels, auxquels en général on ne pense pas, mais dont les effets se prolongent au-delà de la guerre et sont parfois définitifs. Dans la guerre entre l'OTAN et la Russie, qui se joue en Ukraine, il est une conséquence immatérielle qui devrait sauter aux yeux de tous. C'est la destruction de la crédibilité des dirigeants de l'Union européenne. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver pour parler des sujets qui façonnent notre avenir. J'espère que vous êtes résilients face aux événements hostiles qui déferlent cette année sur la France et l'Union européenne. Aujourd'hui, il va être question de la grande révélation de la guerre en Ukraine, l'insuffisance du niveau des dirigeants de l'Union européenne. Deux informations avant de commencer, rapidement. La première, c'est que j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie et la crise de l'euro qui s'annonce, et de manière plus générale d'ailleurs, la grande crise qui s'annonce dès maintenant, tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions. Je les mets donc à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. La deuxième est que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée, qui, à minima, est une solution de secours en cas de censure. Les événements connexes à la guerre en Ukraine viennent de révéler au monde que derrière le discours de l'Union européenne, il n'y a pas de réalisation qui tienne. Tout se passe comme si l'UE n'était qu'un discours que l'irruption du réel dissipe comme un rêve. Jusqu'à cette année, l'UE se voulait le grand champion de la protection de la planète. Je pense que ça ne vous a pas échappé, puisque ça fait des années et des années que c'est quand même la chanson principale de l'Union européenne. Vous vous rappelez notamment, sans doute, de Greta Thunberg, cette adolescente de 15 ans ou de 16 ans, qui, il y a 2-3 ans, a été érigée en icône de l'écologie par les médias. L'Union européenne avait mis en scène de manière très opportuniste son soutien aux objectifs écolo-climatiques dont Greta était devenue la porte-parole officielle, la porte-parole mondiale. L'insupportable gamine, elle était vraiment insupportable, la petite Greta, était venue réciter le mantra anti-énergie fossile et climato-catastrophique à Bruxelles, devant Madame von der Leyen et les différents responsables des institutions européennes. Elle était notamment venue en France, à l'Assemblée nationale, et bref, elle avait fait un tour du monde, mais surtout un tour européen, et je vous demande de faire l'effort de vous rappeler de la dévotion dans laquelle elle avait été reçue par tous ces hiérarques, par tous ces représentants de l'Union européenne. Alors ces gens étaient bien sûr en adoration, ils buvaient ses paroles. Il fallait beaucoup de naïveté pour ne pas voir qu'il s'agissait de A à Z d'une mascarade organisée par l'oligarchie internationale avec la création d'une fausse idole, d'une idole de marketing, par une campagne médiatique mondiale visant à répandre la peur dans l'opinion publique. En effet, avec le recul, ou plutôt l'avancée dans le temps, on peut connecter les événements entre eux. Eh bien, curieusement, étrangement, cela se passait en février, début 2019, en février 2019 notamment. Et aujourd'hui, ça apparaît bien comme un ballon d'essai avant l'entrée en scène de la pandémie du Covid. La complaisance avec laquelle l'Union européenne s'est prêtée à cette escroquerie est révélatrice de l'importance primordiale du narratif pour l'UE. Ce narratif fut-il une foutaise et fut-il un foutage de bip. Les choses se passent comme si pour les dirigeants de l'Union européenne, la fiction pouvait non pas devenir le réel, mais mieux encore, le supplanter. À cette époque, face aux narratifs et aux techniques de communication, il manquait à l'Union européenne un environnement fort, un réel fort. Je dis dans l'Union européenne, on peut dire même carrément au niveau de l'environnement mondial. C'est cela qui a pu faire croire à la toute-puissance du pouvoir de la réalité imaginaire maniée par l'Union européenne. Mais au-delà de l'acceptation conformiste de cette idée, de cette idée donc du pouvoir de la réalité imaginaire, de quoi s'agit-il? Seulement de mots et de postures. Et d'ailleurs, on l'a vu, on le voit maintenant depuis quelques mois, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le monde du réel a remplacé instantanément celui des chimères et de leurs mots avec une brutalité péremptoire. Le pouvoir des mots a laissé place à celui des actes, et
face à ce fracassant de la Russie, et fracassant même qui déferle de manière continue depuis maintenant 4 mois, on s'aperçoit que ceux de l'Union européenne ne sont pas du tout à la hauteur de la situation. Bien sûr, l'Union européenne continue à faire des déclarations, mais elles n'ont aucun effet ni sur la marge de la guerre, ni sur l'économie de la Russie, ni sur l'approvisionnement gazier de l'Europe, ni sur l'exécution du plan russe qui se déroule inexorablement, aggravant à chaque étape la situation de l'Union européenne. Car il est clair, maintenant, qu'il y a bien un plan russe et que Vladimir Poutine et les dirigeants russes le déroulent d'une manière parfaite. Et que, dans ce plan, il y a une stratégie d'utilisation de l'arme du gaz et de l'énergie contre l'Union européenne. Dans sa guerre économique, on veut dire dans sa riposte, car l'Union européenne, en fait, n'est pas proactive, elle ne fait que réagir. Donc, dans sa riposte économique improvisée contre la Russie, et pleine de forfanterie, c'est-à-dire de mots comme d'habitude, l'Union européenne a fait comme si elle pouvait remplacer le gaz russe par du gaz américain. Elle a donc menacé la Russie de le faire. Et là, le réel a pulvérisé la chimère de l'Union européenne dans ses deux dimensions. Je parle des deux dimensions de la chimère, pas des deux dimensions de l'Union européenne. La première est que concrètement, il s'agirait de remplacer un gaz peu polluant à produire et à livrer par un autre qui est une provocation anti-écologique, qui est une monstruosité anti-écologique. Du gaz de schiste, extrait par des procédés dangereux, dont on ne cesse de nous répéter depuis des années qu'ils sont dangereux pour l'environnement, puis liquéfié pour être transporté par des tankers géants qui brûleront des millions ou des dizaines de millions de tonnes de fioul pour traverser les océans. Mais cela n'est pas fini. Il faudra aussi construire des terminaux dans les ports européens à grand coût de consommation d'hydrocarbures pour l'eurogazéifier. D'ailleurs, les pays de l'Union européenne s'étaient opposés à l'exploitation des gaz de schiste. Rappelez-vous encore, c'était au début de la décennie 2010. Que n'avions-nous pas entendu à l'époque sur ces abominables compagnies américaines qui, par cupidité, allaient ravager l'environnement de manière irréversible? On nous avait fait des reportages où on voyait des braves fecnos américains dans des coins perdus, je crois, du Texas, je ne me rappelle plus dans quels états se situent ces gisements de gaz de schiste, qui ouvraient leur robinet chez eux, le robinet de la cuisine, et puis craquaient une allumette et ils en sortaient du feu. Bon. C'est dire à quel point le gaz de schiste avait été diabolisé. Bien maintenant, le gaz de schiste, c'est devenu l'espoir ultime des dirigeants de l'Union européenne. Nous assistons donc au reniement spectaculaire du discours écologique antérieur de l'Union européenne. Ça donne à penser que ce n'était que de la com, du vent donc. Le réel est que l'Union européenne s'est mise elle-même dans une pénurie énergétique. catastrophique. Mais une pénurie comme on n'en a pas vu, je pense, depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe de l'Ouest. Cette idée de remplacer le gaz russe par le GNL américain et d'autres sources est absurde et irréaliste. On ne remplace pas par un coup de baguette magique les 180 milliards de mètres cubes de gaz que livrait la Russie à l'Union européenne annuellement, particulièrement à l'Allemagne, qui est la première puissance économique de l'Union européenne. Comment en est-on arrivé là ? À cause de la guerre en Ukraine, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, ce n'est pas totalement faux, mais pas uniquement. La guerre n'a fait que précipiter la faillite d'une stratégie énergétique absurde. On devrait même parler d'une anti-stratégie. Ce sont les choix énergétiques irresponsables et idéologiques à l'Union européenne. Pour rappel, le principal, l'objectif de 100% de renouvelables en 2050. Cet objectif est d'ailleurs un excellent révélateur du conformisme des dirigeants de l'Union européenne pour les idées à la mode. Car c'est l'objectif qui est défendu par tous les mouvements écolos, tous les partis écolos, depuis des années, dans tous les pays de l'Union européenne. Il a détourné les pays de l'Union européenne des approvisionnements en gaz et pétrole et les a, par voie de conséquence, rendus ultra dépendants de la Russie et d'ailleurs de tous les autres fournisseurs actuels. Il se trouve que la Russie est le plus important. Il se trouve aussi qu'on n'a rien trouvé de mieux que quelque part se mettre dans une guerre contre elle. Parce que, comme vous le savez,
Malgré cette situation de grande faiblesse dans son approvisionnement énergétique, l'Union européenne s'est lancée dans la guerre économique contre la Russie. Mieux encore, elle a cru pouvoir faire pression sur la Russie en la menaçant de cesser de l'acheter son gaz. C'est la deuxième dimension de la chimère qui a été pulvérisée par le réel. Dans plusieurs vidéos et articles d'ailleurs, j'avais parlé de cet incroyable déni de réalité par lequel celui qui est dépendant menace celui qui dépend. À l'époque, j'avais dit que les bras m'en tombent, mais mes bras restent encore ballants. J'avais annoncé plusieurs fois que la Russie allait nécessairement couper ou réduire fortement ses livraisons de gaz à l'Union européenne, ne serait-ce que pour la ramener à la réalité. Cela ne fait pas de moi un devin, c'était évident. Apparemment, quand même, ça ne l'était pas pour tout le monde, en particulier pour les dirigeants de l'Union européenne. Face à ces erreurs énormes, voire inimaginables, la question vient d'elle-même. Comment de telles erreurs ont-elles été possibles? Il n'y a que deux réponses, je ne vois que deux réponses, la trahison délibérée, la trahison, ou l'insuffisance sans précédent dans l'histoire européenne des dirigeants de l'Union européenne. Alors laissons de côté la trahison, qui n'est pas un sujet sur lequel j'ai particulièrement travaillé. Il faut quand même l'envisager, mais pour l'instant, personnellement, je ne peux pas aller plus loin sur cette voie. En plus, c'est une voie qui est à haut risque en ce qui concerne le risque de censure. Focalisons-nous plutôt, ce qui est d'ailleurs l'objectif de cette vidéo, sur l'insuffisance des dirigeants de l'Union européenne. Regardez-les bien, Charles Michel, Ursula von der Leyen et les autres, des hauts fonctionnaires idéologues auxquels l'Union européenne a confié les rênes de l'économie de la zone. Mais que pèsent ces gens-là et des dirigeants comme Macron ou Olaf Scholz, qui sont les deux principaux dirigeants des pays d'Europe tout de même, devant un Poutine et le pouvoir russe, ou l'administration US et Biden, dont on découvre, enfin on le savait déjà, mais on le vérifie dans les faits, que c'est un ultra-faucon, que c'est un dur. Il est peut-être sénile, je ne sais pas, en tout cas, clairement, il n'est pas en bonne santé, mais il est d'une dureté stupéfiante. Ou du nouvel empereur chinois, M. Xi Jinping, et avec le Parti communiste chinois. Avec la guerre, nos dirigeants de pacotille se trouvent embarqués bien au-delà de leur niveau d'incompétence. Personnellement, et je pense que je ne suis pas seul dans ce cas, et que tous ceux qui ont lu l'histoire de l'entre-deux-guerres se font la même réflexion, je pense à la phrase de Hitler à propos des dirigeants européens en 1938, Chamberlain, Daladier, je les ai jugés à Munich, des vermisseaux. La pénurie de gaz dans l'Union européenne étant insoluble, sans le gaz russe, nos vermisseaux se précipitent dans la panique pour rouvrir les centrales à charbon. Oublier les énergies du futur, pour l'Union européenne, ce sera l'énergie du 19e siècle. Oublier le catéchisme de l'Union européenne sur l'énergie verte et sur le sauvetage de la planète, nous revenons à la plus polluante de toutes les énergies. D'ailleurs, les Allemands et les Polonais, les Roumains aussi, et me semble-t-il d'autres pays de l'Union européenne en Europe de l'Est, ont déjà réactivé leurs centrales à charbon. L'Union européenne, dans la tempête actuelle, récolte les résultats qui vont avec son organisation politique et les hommes et les femmes que cette organisation promeut au sommet. Le problème fondamental de l'Union européenne ne serait-il pas qu'elle est par nature une médiocratie? Il y a lieu de craindre que dans l'énorme crise économique, financière et monétaire dans laquelle nous entrons, dans laquelle nous sommes déjà entrés depuis le début de l'année, les compétences de ces gens-là se révèlent du même niveau que ce qu'on a découvert dans la gestion de la crise avec la Russie et dans la gestion de la politique énergétique de l'Union européenne. Dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo, vous trouverez un lien pour commander le rapport sur les solutions pour protéger notre épargne dans la tourmente financière en cours. Dites-moi dans les commentaires si, comme moi, vous pensez que la crise énergétique connexe à la guerre en Ukraine met à nu les incroyables lacunes de nos dirigeants et l'absence de stratégie d'indépendance de l'Union européenne en matière énergétique et, en conséquence, sur tous les autres plans. N'oubliez pas de liker, vous savez à quel point c'est important, de partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. À bientôt.